Tu vois qu'il te laisse pas le temps de faire, il te laisse pas le temps de finir ta phrase, que tu manges vraiment un gros coup de poing en face. Puis ça, tu tombes à la renverse. T'as pas de dégâts, par contre, tu vois qu'il pogne ton lighter entre ses mains puis il l'écrase comme ça. Tu vois que le lighter, il l'écrase comme ça dans ses pattes, là. Il est crissement costaud, Marc. C'est comme un semi-boss de fin de jeu, là. Oh non! C'est un semi-boss, Raph! Fuck! C'est le boss de moitié de bataille, attention! Fait que tu vois que t'es comme à terre, le nez en sang un peu. Puis tu vois qu'il a l'air de comme... Il est comme un peu à l'écart des autres. Puis il sort les poings comme ça, puis il clenche un petit... je vais même pas les avertir, je vais me laisser le plaisir un peu de te faire mal moi-même. Puis là, je regarde, je fais... C'est un lighter-là. C'était très important pour moi puis mon ami. Tu viens de signer ton acte de décès, gros chat. Ok, on va en revenir à. Je vais revenir avec Raven sur le dessus, dans le fond de la colline. Raven, tu vois que t'as tes chats avec tes lapins avec toi qui attendent dans l'obscurité encore. Tu vois que les archers semblent pas être revenus à leur position où est-ce qu'ils étaient. Par contre, t'aperçois encore des volets de flèches, mais vraiment plus bas, quasiment dans la cohue directement du village, qui fait en sorte que c'est vraiment plus difficile pour eux d'agir en conséquence. Et par contre, t'aperçois, dans le village, tu vois au travers des lapins et des chats qui se tapent sa gueule, tu vois des chats qui pognent des lapins puis qui balancent par-dessus des espèces de murets, tu vois, des lapins qui pognent, dans le fond, des armes improvisées de fermiers, puis qui, une espèce de fourche, qui plante un chat dans un mur, puis ça. T'aperçois un gros chat avec une face de persan. Ah! Qui est là, comme dans la mêlée, puis tu sais, c'est classique scène de Game of Thrones, où est-ce que, genre, il jump juste là, puis, tu sais, n'importe qui s'approche de lui, il le décalisse d'un coup, là, c'est genre... Sauron en scène d'ouverture du Seigneur des Anneaux, tu sais, il a sa grosse massue dans les mains, là, c'est Samuel, là, le plume d'acier, puis là, il balance des coups à gauche et à droite sur des chats. Tu vois qu'il a de l'air de chercher quelqu'un, vraiment qu'il cherche la personne qui a pété ses dents. Okay. Je pense que je le vois, puis je pense que, tu sais, il y a probablement les deux personnalités de Raven d'un côté, il est comme, genre, en train d'analyser tactiquement, genre, le champ de bataille pour voir où est-ce que son unité va être la plus efficace. Mais quand il voit Samuel, je pense qu'il est juste comme... Puis il regarde le lapin, genre, avec lui, qui a l'air d'être le plus... celui en qui il a le plus confiance, genre. Mm-hmm. Puis il fait juste, genre, il tape sur le chest, puis il fait « C'est toi qui dirige en même temps cette unité-là, maintenant. » Fait que tu lui dis quoi faire. OK? Continuez de chasser les archers, puis lâchez pas de vue s'il y a une murène. OK? J'en reviens. Puis je pense que je descends. Il gâche la tête comme ça, puis « OK, OK, monsieur. » Puis je pense à rien d'autre, je fais juste sprinter, puis je m'en vais directement sur lui, genre, je traverse... Je fais juste sprinter dans cette direction, okay. Puis je m'en vais le voir. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives à lui? Je pense que dès que je le vois, je vais faire un Daredevil. Ouais. Donc, je pense pas vraiment à ce que je vais faire. Fait que je planifie pas rien pour avoir mon Lock Armor de deux cases. Okay. Je fais juste foncer, puis je fais « Samuel! Prends-tu quelque gars? » Puis je fais juste... OK. Parfait, fait que tu vas... Parfait. Ça va être... Fait que tu y vas vraiment au corps à corps de même, là. Ouais, je pense que tu vas au corps à corps. Ouais. Je vais te faire... ça va être l'équivalent d'un grapple un ennemi, en fait. OK. Fait que ça va être avec ton might. OK. Ah, Seigneur, j'ai 7. 7? En fait, tu choisis... Okay. En même temps que Samuel dans la liste. Ok, on a choisi chacun un. Ouais. Ok. Le grapple que je l'ai ici. Je vais faire un coup rapide infligeant une injurie. Ok. Le premier, ok. Moi, je vais faire. Il va exploiter ta faiblesse. J'ai fait marquer okay. Un exhaustion, puis il va te faire deux injuries. Plus les injuries de base qu'il fait. Je vais utiliser l'habileté de mon armure de cuir qui s'appelle Flexible. Quand je grapple avec someone, je peux marquer une exhaustion pour ignorer le premier choix qu'ils font. OK. Oh! OK. Yes! Parfait. C'est parfait. Nice. Ouais. En fond, ce qui se passe là, c'est que je vous considère les deux grapples. Ça veut dire que tant qu'un de vous deux ne décide pas de withdraw,
On va toujours choisir ensemble en même temps qu'est-ce qu'on fait. On peut faire comme tout le temps, comme au corps à corps, poignés ensemble. Fait que tu vois que, par exemple, ce qui se passe, c'est que tu arrives, puis tu lui as demandé s'il restait quelque dedans, puis s'il est tourné vers toi, puis il a fait genre une espèce de « Ah, c'est vous, les vagabonds! » Puis tu en as comme vraiment qui se met en face, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Tu y bondis dessus, puis tu commences à y marteler le visage avec tes poings, puis tu sais, t'as encore l'espèce de flashback de toi dans le bar qui est en train d'y défoncer la gueule, puis il y a encore quelques dents qui revolent, il en reste plus grand-chose, puis tu enfonces sa face de perçant, puis il a de l'air de vraiment comme profiter du fait qu'il savait que t'allais être vraiment corps à corps avec lui pour comme laisser tomber son arme, sortir vraiment comme une espèce de fine lame qu'il avait comme à sa ceinture, puis il arrive pour te striker, puis tu fais juste comme pogner sa main de même, puis tasser comme ça. Tu continues dans le fond à le taper dans la face en même temps. Et tu vois qu'il est quand même bien blessé. Et je vais maintenant en revenir avec Petite qui se lève dans les ruines en fait de la maison du maire, la mairesse. Tu vois que tu te lèves debout, un peu exténué, le visage, t'as mal à la tête. Tu vois qu'il y a l'espèce de poussière qui se lève et qui retombe tranquillement. Puis t'as les chats qui semblent reprendre un peu conscience de où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Est-ce qu'ils sont proches de moi? Il y en a un qui est proche de toi, oui. Parfait. Moi, j'ai une grosse épée. A great sword. Oui. I'm gonna cleave those bitches. celui qui est proche. Parfait. Tu peux faire un jeu de swinguer. Tu peux me faire un jeu de engage sword to sword. Oh Seigneur, hein. Est-ce que ça c'est avec mon maître? Oui. Yes! 8! C'est pas super. Parfait. Dans le fond, tu choisis un des choix dans Engage Sword to Sword. Ok, attends. Je te trouve dans toi. Engage. Oui. Es-tu dans la page des moves de combat? Oui! Oui, pas de engage move. Engage in a melee, non? C'est le premier. Oui, c'est ça, ok. In a melee, ok. Ok, engage in melee. Oui. I wanna inflict him serious harm, like serious harm. Ok. Pour ça que, tu sais, premièrement, ce qui se passe, c'est que t'as un des chats qui. On a comme du point de vue d'un des chats qui essaie de retrouver son arme un peu, puis il réussit à mettre la main sur sa grosse massue. Puis au même moment, on entend une espèce de chou qui passe. Puis il fait juste comme avoir un regard un peu surpris. Puis il lève ses mains comme ça. Puis il y a genre juste deux trucs coupés. Puis il y a genre du sang qui splash. Puis il est genre comme. Puis il tombe un peu vers l'arrière. Puis t'es toi comme ça avec ta cette grosse épée dans tes mains. Puis t'es les autres chats qui sont genre comme un peu hésitants. Ils savent pas trop quoi faire. Puis ils pognent chacun leur arme. Puis ils bondissent sur toi. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de glisser dans la bouffe par en arrière, comme la fille dans Matrice quand elle tire. Là, je vais essayer comme de glisser dans la table pleine de carottes, puis de gâteaux, puis de shit, puis d'aller pouvoir me cacher en dessous de la table. OK. Essaie de te cacher. OK, parfait. Je vais te faire un... C'est drôle en tabarnak, ça. Je vais te faire un jeu de Attempt Roguish Feet, s'il te plaît. Okay. Ça veut dire ça va être avec ta finesse. OK. Ok, donc ça veut dire que j'ai 8 encore, Seigneur. 8. 8, tu choisis 2. Ruggish Feet, c'est dans l'autre page. Les Basic Moves, c'est le premier en haut à droite. Yes, parfait. On choisit 2 dans les 2. Attends, Ruggish Feet. Attends, Roguish Feet, j'ai moi, pas c'est... de choix. Ouais, y en a-tu? Attends. Vous avez pas de choix? When you attempt a roguish feat, you are skilled in, say your goal and roll with finesse. Ah, c'est parce que. On e-jelly. Dans le fond, j'ai comme leur version uploadée, comme de 1.0.5. Oh, ok, fait, c'est pour ça tantôt, t'as fait engage in a sword to sword. Là, nous autres, c'est encore engage in melee. Oui, c'est ça. Okay. C'est pour ça que j'ai eu l'air un petit peu débile. Je suis capable de lire dans la vraie vie. OK, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... c'est pas grave. Dans le fond, les choix que t'as, je vais te les dire. Entre 7 et 9, il faut que t'en choisisses 2 dans ce que je vais te dire. T'as pas, dans le fond, un clear path de ton escape. Là. OK. Faut que tu utilises des ressources pour réussir, dans le fond, à reculer. C'est-à-dire qu'il faut que tu marques un decay, c'est tes ressources. Okay. Tu vas probablement te le faire marquer, en fait, dans ton armure. Okay, et tu laisses une évidence dans le fond de ton passage derrière toi. Faut que t'en choisisses 2 dans les 3 que je viens de te nommer.
OK, mm-hmm. mais je vais... mais je pense que... Est-ce que je peux comme faire un petit caca nerveux en me poussant? Fait que je laisse comme un petit tos, comme une évidence de mon passage? Absolument, oui. Parfait. Comme une petite crotte de souris cute, là. Tu sais, en camping, ouais, ouais. t'as voix, puis ça te stresse pas, tu sais. Ouais, ouais. C'est exactement ce qu'il y avait en tête, je suis sûr. Les créateurs du jeu, quand ils ont marqué ça. C'est quoi le premier? Excuse-moi, c'est décaille. T'as pas, dans le fond, t'as pas un clear path of de ta fuite, de ta fuite. Ça veut dire dans le sens que tu vas comme être un peu poigné là, là. OK, ben non, je préfère faire un petit caca nerveux puis avoir un décaille d'abord, je pense. Ouais. Parfait. Fait que dans le fond, je vais te demander de marquer sur ton armure. Ouais. Un décaille. Fait que en vrai, ce qui se passe, c'est que tu te balances vers en arrière tout en chiant dans tes culottes. Et probablement que ça va comme sortir par le bas de tes culottes sur le sol. Mais et au même moment. T'as-tu des culottes petites? C'est comme Donald. Non, Duck. Non, attendez, mais j'avais pas. C'est juste une armure dans le haut. Ah non, c'est pas vrai! Je m'étais mis des petites shorts. Oh, il y a un dessin! Il est donc bien beau le dessin! I know, hein, quand même! Parfait. C'est le seul perso que j'ai fait ever qui est rouge, bien fier. Okay. Fait que oui, ça va tomber sur le sol, ça me perturbe tellement, j'essaie de comme être focusé sur la tâche, j'imagine juste comme quelqu'un qui chie à terre. Là. Fait que tu fais ton petit caca sur le sol tout en te balançant vers l'arrière, t'as un des chats qui balance son épée vers toi, tu sens ton armure dans le fond se scratcher au contact, et tu disparais en fait dans un tas de légumes, puis les chats sont genre comme « tabarnak, elle doit pas être loin », puis ils commencent à piquiner les légumes un peu autour de toi, mais ils réussissent pas à te pogner. Tu vois qu'il y en a un qui sort une belle brochette de comme 3-4 sortes de légumes différents, il est comme content, c'est un peu bouffoque. Mais il réussit pas de poignée. Puis rapide, tu peux dans le fond te faufiler à l'extérieur si tu veux sans être vu. Oui, I'll do. Parfait, tu fais ça ainsi. Ouais. On revient maintenant à Jean Bonneau qui est sur le sol en train de ramasser un peu. T'as du sang qui te coule du nez, tu te lèves la tête vers le grand Marc. Ouais, ben je pense que j'aimerais ça, tu sais, me relever, mais juste garder ma tête pour la relever à la toute fin. C'est juste comme. Je relève tout mon corps, je suis comme. Hey, mon beau Marc. Ça, là, c'est pas donner un coup à bonne personne, mon beau trésor. Qu'est-ce que tu as le plus. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vie, toi, mon beau Marc? Tu vois qu'il va t'en crisser une autre, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le grapple. OK, parfait. Tu vas me faire un jet de grapple. Ouais, j'y vais, puis avec mes small hands. Fait que j'utilise finesse au lieu de might. Parfait. 9. 9? C'est-à-dire que c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va choisir en même temps ce qu'on veut. Ouais. Tu me le dis quand t'es prête. Oui. Parfait, oui. Je vais mettre une exhaustion pour te faire 2 injuries. OK, parfait. Lui, il va te faire le premier, ça veut dire qu'il va t'infliger une injury. Ça veut dire que probablement que ce qui se passe, c'est que tu le pognes, puis tu vois qu'il est probablement plus costaud que les autres chats que tu as réussi à pogner, puis tu prends que tu fais juste commencer à y en crisser un autre comme dans la gorge ici, comme tu avais fait avec l'autre chat. Ouais. Puis il fait juste comme s'étouffer un peu tout en donnant comme un coup avec son poing sur ta tête, un gros coup là, vraiment lourd, puis tu sens comme vraiment ton crâne, ça se met à brasser, puis tu vois un peu le flou. Mais tu vois qu'au même moment, vous êtes les deux encore en train de vous tenir, tu vois qu'il est encore vivant. Puis il y a comme du sang qui coule de la bouche parce que tu as comme rentré la trachée, puis genre comme il est plus capable de parler là. Est-ce que la parole, c'est la chose que tu tiens le plus? Parce que si oui, t'as de la misère, mon beau trésor. Puis là, si tu veux, on peut en choisir un autre maintenant. Parce que le but, c'est ça. Maintenant qu'on est engagé, c'est tant qu'il n'y a aucun de deux qui disengage, on est là. Je vais continuer à exploiter Weakness, puis je vais prendre un autre Exhaustion. Parfait. Il va faire la même chose. En fait. C'est-à-dire que tu vois que tu fais juste comme probablement lâcher ton dernier call, puis... Il arrive pour t'en donner un dernier sur la tête encore, probablement qu'il y a quelque chose qui va te fracasser le crâne. Puis il y a comme vraiment la tête vraiment bien levée. Puis tu fais juste comme il remonter le poing comme en dessous ici du menton. Puis il a l'air de comme se fermer la bouche, puis comme s'il se croquait lui-même dans sa bouche au même moment. Ça fait mal, ça. Oui, ça fait vraiment terriblement mal. Puis là, il y a une espèce de flash de sang qui explose. Mais au même moment, en tombant, il essaye vraiment de vouloir t'en crisser un dernier dans la face. Mais tu vois vraiment que son poing,
il est un peu croche, puis il fait juste te pogner sur le bord de la mâchoire, puis t'as vraiment l'impression qu'il t'a comme vraiment pété une partie comme de la mâchoire, alors que t'as des espèces de petites dents pointues de raton laveur qui revalent. Tu vas te marquer 2 points de dégâts, mais tu vois que lui, il s'effondre sur le sol. Ok. Puis... tu sais pas s'il est mort, tu sais pas s'il est vivant, mais il est sur le sol. Puis je peux pas le mettre chain mail, hein? Je peux pas le mettre sur mon non, sur mon armure. Parce que c'était sa gueule, hein? Ouais. C'est d'une violence sans nom, ton affaire. Ouch. Ok. Écoute, je marquerai une dernière exhaustion pour y en faire 2 autres. Ah, il est mort, là. Ah, il est mort, mais tu sais pas s'il est mort. Mais il sait pas s'il est mort ou c'est pas, mais il est couché sur le sol puis il est inconscient, là. Il est knock-out. Il est knock-out. Ben, je le fouille. Tu le fouilles? Y a-tu de quoi sur lui que je pourrais utiliser? Tu vois, en fait, qu'il y a une torche éteinte. C'est lui qui faisait comme les signes de même. Ok, cool. Puis... est-ce que c'est les mêmes sortes de signes que quand j'étais à la guerre? Oui. Excellent. Fait que... puis y a-tu un briquet sur lui ou quelque chose? Oui, tu vois, il y a genre deux petites roches qui permettent d'allumer ça. Excellent. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais prendre son petit briquet, là, ses petites roches. Oui. Allumer la torche. Oui. Coller le feu à l'affaire que j'ai dit que je serais en feu. La tente, oui. La tente. Puis j'aimerais ça faire des signes de... tu sais, un peu en panique, de genre, sont trop nombreux, on se replie. Fait que je dirais comme, on se replie tout le monde. On se replie. Repliez-vous. Ok, parfait. Parfait. Je vais te... ok, cool. Je vais te faire faire un jet. J'ai envie de réfléchir à quoi est-ce que ça pourrait être. Tout un chacun. Probablement que je vais te faire faire cramer la tente gratuitement, dans le sens que tu vas juste comme mettre le feu à la tente, là, tu vas juste toucher le coin de la tente avec la torche, la tente commence à se mettre en feu, puis t'as les chats à l'intérieur qui sont juste en train de lever la tête un peu surpris de qu'est-ce qui se passe, puis ils comprennent pas trop, puis ils sont juste comme genre... ils commencent à capoter un peu, puis il y en a qui commencent à sortir de la tente, puis à essayer de trouver aux alentours qu'est-ce qui se passe, mais t'es déjà parti avec ta torche. Puis tu commences à faire tes symboles de torche pour essayer de dire aux archers de s'en aller. Puis je vais te demander, en fait, de me faire un jet de Persuade de NPC. Ouais. Avec Charm. Charm. Oh! J'ai 0 à Charm, mais j'ai, mes chers amis, 11! Oh, yes! Oh, yes! Oh, Seigneur! Tu fais tes mouvements de comme ça avec ta torche et tu vois... rapidement une espèce de lumière qui te répond. Tu vois que les archers semblent avoir une espèce de lanterne qui leur permet comme de répondre aux demandes. Ton code morse là, il est loin un peu, là, mais tu sembles comprendre que genre ils acquiescent à la situation. Puis tu vois que la petite lumière semble s'éloigner avant de disparaître. Tu comprends que les archers sont comme repliés plus loin dans les bois puis ont arrêté l'attaque. Superbe. Je sais que c'est un petit détail du lore de Root, mais le code Morse dans l'univers de Root a été inventé par Samuel Morse, qui est un vrai Morse. Tu veux ça? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la pire blague. Non, en fait, c'est magnifique. J'aime tellement ça. En fait, parce que quand ils s'envoyaient les trucs, c'est un trou, deux trous, un long trou. Ben, tu sais, c'est comme, il y en a deux là. Des fois, c'est comme un ou deux. Je reviens à Raven qui se fait, qui est aux prises avec Samuel. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, je nous imagine lutter au sol. Là, être oui, un peu vois, comme en fait, c'est... c'est que les deux, vous êtes en luttage. Fait qu'en fait, au final, les deux, vous devez choisir encore un grapple. Ok. Je pense que... moi, j'ai déjà choisi. Ce que je choisirais, là, c'est... Ouais, je pense que je withdraw. Ok. Je porte ma main à ma dague, tu sais. Je pense qu'il est vraiment, tu sais, un peu emporté dans tout ça, là. Puis il est juste comme en crise, qu'il laisse pas tranquille dans le village de Tranche-Pomme. Tu sais, ils ont pas d'affaires, là. Puis il est juste comme... il veut prendre sa dague. Ok. Moi aussi, j'avais choisi Withdraw. Oh, fait Seigneur. Fait que vraiment, les deux, vous lâchez. Puis lui, il se dépêche, il ramasse sur le sol son espèce de grosse massue, son espèce de grosse masse d'armes qu'il avait, là, qu'il disait pour attaquer. Les deux, vous vous regardez, vous êtes au milieu comme du combat, puis autour de vous, il y a genre des lapins puis des chats qui sautent à la gorge puis qui se battent. Puis toi, il te regarde avec un air un peu coquin, là, puis il se balance vers toi en faisant aller sa massue au-dessus de sa tête, sa grosse masse d'armes, puis il essaie vraiment de t'écraser la face. Avec sa masse d'armes, qu'est-ce que tu fais?
Je pense que Raven, il pense pas trop à éviter les attaques qu'il donne. Il pense juste à où est-ce qu'il peut frapper. Puis il a sa, dans sa main, cette dague-là, là, en okay. forme de patte d'oiseau. Puis il essaie de frapper dans un point vital. Je vais essayer de faire un move de Scoundrel qui s'appelle Better Lucky Than Good. Oui. Quand j'utilise une arme, je vais marquer Exhaustion pour utiliser Luck plutôt que peu importe la stat de l'arme. Parfait. Je vais essayer. Fait que ça va probablement être un Engage Word to Sword. Do this. Ok, fait qu'avec Luck, on parle de 11. Parfait. Fait que tu peux choisir 3 dans les choix. Ok. Fait que. Ouf. Fait que je pense que je vais passer à côté de lui. Je vais infliger des dégâts sérieux. Fait que inflict serious harm. Après ça, je veux effrayer, je pense. Ou le surprendre. Tu sais, je veux comme le frapper. Puis après ça, j'aimerais ça changer de range puis passer à far. Fait que je veux comme passer à côté de lui, le frapper pour le déstabiliser. Puis après ça, courir pour être un peu plus loin. Être hors de portée de lui, genre. Parfait. Tu vois que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le classique, scène de samouraï, là, où vous êtes face à face, là, puis genre, ça se donne comme un coup direct, là, vous passez un à côté de l'autre, puis il a comme donné son gros coup de massue, qui t'a vraiment comme pogné en même temps, on va dire le dos, là, il était comme si tu te balançais en quelque sorte, puis tu sens vraiment comme l'espèce de grosse pierre te rentrer entre les côtes, puis au même moment, t'as vraiment un petit coup rapide où est-ce que tu sens vraiment comme il rentrait ta petite dague là, en forme de c'était des griffes de cerf, c'était des cerfs. Ouais. Tu y rentres vraiment comme genre dans un organe là, sur le coin des côtes, peut-être le foie ou quelque chose comme ça. Là. Puis tu ressors, puis voyez que vous retrouvez à une certaine distance. Tu vas te manger quand même. En fait, je vais te laisser le choix. Yep. Soit que tu manges 3 d'un coup, ou soit dans le fond, tu peux dispatcher les 3 dommages dans ton armure aussi. Ok. Je vais prendre les 3 dommages. Et les dispatcher dans mon armure. Ok. Fait que je vais en mettre 2 dans mon armure de chance, puis 1 dans mon armure de cuir. Fait que probablement que mon armure est une ruine, là. Okay. Je sais pas. Ouais, oui, parce que t'en restes plus, là. Ouais, il reste plus d'armure. Ok. Tu vois que ton armure de cuir a vraiment comme explosé en quelque sorte sous l'impact, là, puis t'as comme des gros morceaux de filant de cuir qui tombent un peu à gauche et à droite de toi. Tu vois que lui, il se tourne de bord, puis il saigne vraiment abondamment du ventre, là. Puis comme, il crache un peu du sang dans son poil de face, dans ses moustaches, là. Puis il tient debout à pas grand-chose. Mais toi aussi, tu vois que t'as mangé un méchant coup dans le dos, là, puis c'était pas comme de ta chance mémorable, là. Ce serait pas facile, là. Puis tu vois que t'es comme, tu te sens comme vraiment fatigué un peu, là, exténué. Puis tu sens, en fond, une main sur ton épaule réconfortante. Puis tu tournes la tête un peu, puis tu vois, en fond, c'est comme des plumes bleues sur ton épaule. Puis tu vois que tu tournes la tête, puis tu vois Barba Broche, qui est là, le jet bleu, qui est avec toi. Puis tu vois qu'il te regarde, puis il a l'air d'être blessé, comme s'il avait dû s'enfuir de chez eux. Comme s'il avait comme débarqué chez eux pour foutre la merde, puis il était parti. Puis tu vois qu'il est tout emmuré dans son costume militaire de l'époque, puis tout ça. Puis il te regarde, puis il fait genre... on le pogne à deux. Et puis je fais juste des symboles du langage militaire aérien, genre. Ok, parfait. Ok, un petit mouvement de bras comme ça. Puis vous bondissez les deux en même temps sur plume d'acier. Et on va retourner. Est-ce qu'on a des coupages de scène? Ouais, même. C'est ça. On en revient à Petite qui sort en fait du bâtiment. T'es sorti du bâtiment. Tu t'es su un peu le reste de marde qu'il y a pour moi sur toi. J'étale ses murs comme quelqu'un de cool là, en passant. Et tu vois, en fait, tu vois, les lapins semblent avoir vraiment l'avantage présentement. Tu vois que les chats semblent en arracher. Ça semble pas aller bien pour les chats. Et tu vois soudainement les lapins se figer. Puis tu vois qu'il y en a. Tu sais, quand le classique, là, un auto qui passe devant un lapin, puis le lapin fait juste comme figer de même, là, puis il est comme vraiment peur. C'est exactement ça. Tu vois, les lapins se mettent à figer, puis se mettent à shaker, puis il y en a qui laissent tomber leurs armes. Alors que tu vois sortir de la rivière. Non. Une gigantesque forme, comme métallique, qui rampe à une certaine distance. Et tu vois que c'est gigantesque. Là. Ça doit faire à peu près un 6 mètres de long pour un 3 mètres de haut. Et tu vois, dans le fond, une grosse forme. Ça ressemble vraiment à un gros serpent en métal et en bois qui semble être comme, on va dire,
motorisé avec l'aide probablement comme de fournaises puis de roches et tout ça. Puis tu vois qu'il y a comme une espèce de boucan qui sort de lui comme s'il chauffait. Puis il avance vers le village tranquillement. Puis tu vois que les lièvres sont vraiment sont tétanisés de peur. Puis il y a des lapins, des chats qui en profitent puis qui commencent comme à redoubler d'ardeur vers eux autres. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça passe proche de moi, ça, ou pas pantoute? Tu le vois de loin. C'est vraiment pas proche de toi, par exemple. Okay. Mais tu le vois de loin. Tu le vois, en fait. Tu vois que la majorité des gens, à part peut-être Raven, Barba Broche, puis Samuel, là, tout le monde le voit, là. OK. Je vais essayer... dans le fond, moi, ce que je veux, c'est smash through that shit. OK? Je vais aller... Je vais me rendre jusqu'à la murène en essayant de smasher dedans, comme j'ai fait avec Orti. Mais mon but, c'est de viser la trappe sur le tube pour rentrer dedans avec les amis, OK? OK. Et en faisant ça, je vais essayer de toucher le plus de mains de lapin que je peux en leur disant « Souvenez-vous, c'est un robot, il ne peut pas vous faire de mal, vous avez une arme, et pas lui. » J'essaie comme de rassurer les gens. C'est parfait. Fait que c'est ton move, c'est quoi ton move? C'est Crash and Smash, c'est ça? Oui, j'ai dit smash through it, mais ouais, c'est crash and smash. Parfait, tu vas pouvoir faire ton jet de might. 7, 8, 9, 10! 10, très cool. Tu vas choisir, en fond, un des choix. Ouais. I'm gonna damage. Je vais briser des fuck tranche pas me rendu là. M'en aller chier à la murène. M'en péter quelque chose en passant. Parfait. Tu vois que tu te mets à courir. Probablement que tu croises dans le fond des chats au travers. Puis il y a des chats et des lapins. Tu passes en dessous d'eux autres. Il y en a un chat. Tu le fais comme flipper sur lui-même. Ah, tu penches à côté d'un bâtiment. Et au même moment, tu l'accroches un peu de l'épaule. Puis tu fais juste comme. Il était déjà un peu fragile. Puis tu fais juste comme faire tomber le dernier pilier qu'il tenait. Puis la maison fait juste comme s'écrouler sur le sol. Au passage de la souris, là. Ouais. Et tu fonces en direction de la murène. Et tu vois que la murène, elle se lève dans les airs. Une espèce de position vraiment de serpent comme qui est prêt à attaquer. C'est gigantesque, là. Puis toi, t'es toute petite en plus à côté. Puis t'as ta grosse épée dans tes mains. Puis tu fais comme juste courir vers elle. Et tout ton but, dans le fond, ton crash and smash, c'était vraiment de pouvoir de rentrer à l'intérieur de la murène, c'était ça? Ouais, je veux pénétrer sa petite trappe. Orti nous a dit qu'elle était sur le dessus, là. Puis tu vois que justement, t'arrives pour comme vraiment comme. T'arrives devant elle, tu vois qu'elle est vraiment. Elle se met vraiment en position super haute, ce qui fait en sorte que c'est vraiment difficile atteignable. Puis tu te rends compte qu'au final, il n'y a aucun obstacle qui peut arrêter quelqu'un qui a la volonté, même si genre sa taille est minuscule comme toi. Puis t'es vraiment comme sur le bord de t'élancer, puis t'entends une espèce de et tu vois dans le fond la murène qui se mange comme un truc de baliste sur sa tête et qui se commence à pencher un peu sur le côté, puis t'aperçois en fait le trou sur le dessus de sa tête, puis t'as vraiment tu tournes la tête, puis tu vois Orti qui est sur le dessus de la mairie, puis qui est genre comme j'ai réussi, et tu réussis à rentrer à l'intérieur de la murène au même moment. Et à l'intérieur, tu vois des chats noirs qui sont en train comme de la faire fonctionner. Puis tu vois que comme ça ressemble vraiment à un espèce de sous-marin. C'est comme peut-être sur le long. Mm. T'as comme plein de chats qui font fonctionner comme un espèce de mouvement de va-et-vient, un peu comme une espèce de chenille pour la faire avancer sur le sol, comme si c'était des rames en quelque sorte. Et tu vois au fond, complètement, il y a des chats qui font remplir une fournaise pour pouvoir comme la faire fonctionner, la faire chauffer. Et tu vois qu'il y a également un chat qui semble la conduire, mm-hmm. comme au niveau de sa tête. Je vais en revenir maintenant avec Jean Bonneau. Jean Bonneau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des arbres qui sont partout dans le village, tu sais? Est-ce que je pourrais... Oui, des arbres au travers de la ville, oui. Parfait. Fait que j'aimerais ça monter dans un des arbres, faire un petit... À mes amis un peu chaudants et puis le bartender. Oui. On va monter dans l'arbre, puis j'aimerais ça qu'on... passe d'une branche à l'autre pour aller se rapprocher le plus vite possible, le plus proche possible du gros serpent pour essayer d'aider la petite chouette. Parfait, parfait, parfait. Ça va être un jet de... ça va être Rockish Feet, ça. Alright. OK. Fait que ça, c'est un... Première page. Première page. Finesse. Finesse, ouais. 9. Parfait. Ouh. Tu peux choisir dans le fond 2 dans la liste que toi t'as. Oui, ça veut dire soit que dans le fond tu réussis pas vraiment
Tu t'es pas remarqué, sauf que tu réussis pas nécessairement à trouver le chemin le plus efficace pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Tu laisses des ressources derrière toi. Tu vas marquer un déquet probablement dans un de tes objets. Et tu laisses dans le fond une évidence derrière toi, comme soit vous êtes passé par là. C'est-à-dire que les gens vont savoir qu'il y a des gens qui se promènent par les arbres. Écoute, je vais laisser une trace comme quoi qu'on a passé dans les arbres. Ok, t'en choisis un deuxième. Ah, oh, fucking shit. Fait qu'il faut avoir le plus petit chiffre possible ou quoi, c'est-tu? En fait, ben t'as eu 9, c'est ça? Ouais. C'est sûr, ben dans le fond, c'est que si t'as eu 10 et plus, ouais, t'en choisissais juste un. Ah, ok. Fait que, ok, puis je pense que je vais mettre un déquet. Mm-hmm. Ok, parfait. Je vais, c'est genre, qu'est-ce que t'as sur toi, en fait? Je veux savoir, je sais pas. J'ai une dague, un staff, puis j'ai mon armure. Ok, je vais mettre un déquet dans ta dague, parce que probablement que tu l'as utilisé pour comme monter sur un arbre, puis sauter d'un arbre à un autre en plantant dans le fond ta dague dans les murs, dans le fond dans les troncs de l'arbre. Alright, j'accepte. Tu mettras un déquet là-dessus, et tu vois, ça te laisse clairement des traces derrière, et probablement que c'est les quelques lapins qui ont le regard tourné vers le ciel, ou du moins qui ont un peu l'attention tassée, pas sur le combat, peuvent peut-être apercevoir ces espèces de petites formes obscures qui sortent d'arbre en arbre au travers du village de Tranchepomme et qui atteignent en fait l'espèce de grand serpent qui atteignait justement le bord de la ville de Tranchepomme, la porte d'entrée de Tranchepomme en quelque sorte. Et vous sautez, toi, tes deux ivrognes ainsi que Méridion avec sa grosse massue, sur le dessus du serpent, vous apercevez la fente qui est grande ouverte comme si elle avait été comme défoncée par une petite souris. Et vous rentrez à l'intérieur. T'as la même vision. En fait, pendant que t'arrives juste en arrière de Petite, les deux, hey! Vous êtes essoufflés. What's up, Petite? Pas grand-chose! Vous voyez que... au même moment où est-ce que les deux, vous êtes là, en fait, vous cinq, vous êtes là, les chats à l'intérieur qui faisaient avancer le serpent arrêtent de faire avancer le serpent. Ils pognent leur arme. Puis vous voyez que ça tombe vraiment en espèce de close quarter combat de tunnel où vous êtes collés, puis vous essayez de comme réussir à poignarder le mieux que vous pouvez vos ennemis. Je vais en revenir maintenant avec Raven qui est en combat contre Plume d'Acier ainsi accompagné de Barba Broche. Vous êtes les deux face à face avec l'espèce de grand chat qui a sa grosse masse d'armes dans les mains, puis il crache un peu de sang. Puis il fait comme une espèce de petit ça tombe bien, j'avais bien hâte de rajouter des nouvelles plumes à ma toge. Je pense que je regarde mon bon vieux pote Gargabroche. Puis je suis juste comme, ça va Gargabroche, votre famille a assez donné pendant la grande guerre pour les aériens. Pas question que je vous demande encore une fois de faire le sale travail à ma place. Il te regarde en faisant comme une espèce de... Écoute, le petit... Le sale travail a déjà été fait. Puis tu vois qu'il te pointe un peu comme le bas de ses côtes. Puis tu vois qu'il saigne abondamment de la côte comme s'il avait été blessé durant le combat. Puis il se tient comme le ventre un peu. Puis il fait peu importe ce qui arrive aujourd'hui. Ça sera pas moi le héros de l'histoire, ça va être vous autres. Je pense que je suis juste... Je pense que quand je vois ça, je suis tellement en crise. Je fais juste me retourner contre Samuel. J'envisageais la possibilité de le gonner à l'arbalète, mais je pense que là, il faut que je le finisse. Je le poignarde. Fait que je pense que je vais juste charger dans cette direction avec mon couteau, puis je vais essayer de le prendre à la gorge. Je vais essayer de sauter dessus, puis d'essayer de le stabber dans la gorge. Parfait. Tu vas me tirer un jet de engage. Ça va être, dans le fond, c'est le move que vous avez pas, je comprends. C'est dans le premier gars, c'est Engage a Melee, là. Je sais que c'est encore risqué, je vais réutiliser toujours mon Better Lucky Than Good. Ok. Fait que non, je suis engage. Quasiment au bord de l'exhaustion, là. Je pense qu'il a tout donné, là. Raven court, genre. Sa vision est embrouillée. Oui, donc. Ouf, seigneur. Pardon. Ouf. Je sais pas si mal. 9. Oh. Okay. Choisis un dans le lot. Un. Je veux juste faire du dommage sérieux. Fait que je reste sur lui, à côté de lui. Je peux pas désengager rien. Je suis juste comme stab, stab, stab. Ok, tu bondis dessus là. Tu te fous de peu importe la défense que t'as là. Tu fais juste comme bondir dessus et
tu vois qu'il est vraiment en train de tu sais, il commence vraiment à être lent, puis blessé, puis t'es vraiment plus rapide que lui, puis tu veux juste te poignarder plein de fois. Et là, Raven, je veux savoir, j'ai une question importante pour toi. J'ai une question très importante pour toi. Okay. Ça va décider de beaucoup de choses présentement. Je veux juste aller voir ta feuille de personnage, là. Toi, t'es le thief, c'est ça? Un scoundrel. Scoundrel, ouais. Parfait. Parfait. Voyons. Tabarnouche. Ok, ouais, je l'ai ici. Qu'est-ce qui t'a drivé? Your drives. J'ai marqué chaos. You advance when you topple a tyrannical or dangerously overbearing figures of order. Okay. Fait que je pense que c'est ce que représente la marquise pour ces gens-là qui faisaient juste vivre leur vie quotidienne. T'sais. Ok, parfait. Tu vois que tu poignardes le chat comme ça, puis t'as vraiment comme la main comme ça sur sa grosse tête velue, puis tu fais juste comme il poignarder, puis à mesure que tu donnes des coups, tu montes vers le haut tranquillement à sa gorge, et tu vois qu'il se pogne sa grosse massue, puis il se donne un élan vraiment là, pour t'en calisser un sa tête en même temps que tu le poignardes, puis il donne vraiment un coup, puis tu vois qu'au même moment, t'entends un espèce de gros bruit de fracassement, mais tu sens rien du tout, alors que tu lèves la tête. Et tu vois dans le fond que c'est... tu vois en fait Gargabroche qui s'est comme pitché devant le coup pour manger le coup à ta place. Et tu vois dans le fond que la grosse massue est vraiment comme enfoncée dans la face de l'oiseau. Puis ça se met comme à couler un peu comme ça. Puis il tourne vers toi un espèce de regard un peu serein en même temps, comme un oiseau, un serein. Comme un serein. Il tourne à toi un regard calme et zen, alors que tu vois la vie c'est sortir de son corps et qu'il meurt là en ayant sacrifié dans le fond, en ayant pris le coup pour toi. Et tu termines en fait de rentrer ton espèce de petite serre dans la gorge de plume d'acier. Ouais. Et il s'effondre sur le sol, gros chat qu'il était. Puis je pense que je suis juste comme... Un peu comme un... Tu sais, il y a pas de mots, il est juste comme... God damn it! Non, c'est ça, juste... Il pèse dans le corps de Sam à terre, là, dans le corps du gros ouais. chat, probablement qu'il pogne des trucs, puis qu'il lance, il est juste... Il déchaîne de la colère au milieu de la ruelle, tu sais. Sur rien en particulier, il fait même plus de chat, là, il garnote du stock dans des bâtiments puis dans des vitrines, puis il est juste comme « Tabarnak! » Parfait. On en revient avec nos deux compagnons, en fait, maintenant. Vous êtes ensemble dans le... dans l'intérieur du serpent. Qu'est-ce que vous faites? Je viserai le conducteur. J'essaierai de m'enligner vers le devant de la tête de la murène. Puis je pense que je vais lui donner un coup de Great Sword. Parfait. Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'aimerais ça comme Fuse Sense. Okay. J'aimerais ça comme peut-être partir un feu ou quelque chose pour comme les... Il y en a déjà un dans le cul, c'est le même qu'à l'avance. Tu peux essayer de faire renverser la fournaise. Tu peux essayer de... Ouais, ok, je vais faire ça. Je vais faire ça pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas tout en idée d'attaquer, mais bien d'essayer de reprendre le contrôle de la petite serpent dégueulasse. Parfait. C'est quel move, ça? Special move, c'est Confuse Sense. C'est dans le Weapon Move, là, c'est les bases. When you throw something to confuse an opponent's sense at close or intimate range. Roll your finest. On a hit, you throw them off balance. Blind them. And... Ah, ok. Est-ce que c'est en dessous de Target Someone? Ouais, exactement, sur la vieille feuille, il est entre ouais, Cleave et Target. Vois-tu, nous autres, ils ont changé le nom pour Blind quand tu essaies de blinder quelqu'un. Ça peut être ça. Je peux essayer, dans le fond, d'éteindre le feu dans le fond. Ouais. En le renversant, ça va comme. Oui, ça va venir au même au final. Fait que oui, tu peux y aller, c'est avec finesse. Ouais. Parfait. Fait que tu peux y aller aussi petite. Toi, dans le fond, c'est vraiment, tu essaies d'aller attaquer le conducteur. Ouais. Ça va être du engage, c'est-à-dire melee, là. Nice. Neuf. Parfait.
10. Mais okay, Mike, là, elle est forte, ma petite souris. Oui, elle est forte, la souris. OK, tu vois que le problème, ce qui se passe, Jean Bonneau, c'est que tu te donnes un élan, puis tu commences à avancer dans le fond, puis tu te faufiles entre les chats, puis t'as les chats qui essaient de vous attraper. Puis comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment un combat de tunnel. Là. Vous êtes collé, coincé, puis il y a des chats qui essaient de te frapper, puis qui se frappent entre eux autres, puis des chats qui essaient de se pencher, puis tu te faufiles entre eux, puis il y en a qui essaient de te rattraper par ta grosse queue de raccoon, puis ils font juste comme te manquer. Puis tu réussis, t'arrives à la fournaise, puis t'as comme un chat qui se tourne vers toi, puis il y a une espèce de gros masque pour pas respirer, l'espèce de boucan qui sort de là, puis il te fait comme un bizarre de regard, comme s'il comprenait pas trop ce qui se passait. Puis tu fais juste comme donner un gros coup de pied sur la petite fournaise, puis la fournaise commence à tomber sur le côté un peu. Puis l'espèce de roche en fusion à l'intérieur se met comme à tomber de la fournaise, puis ça se met à boucaner la place, puis t'as les chats qui commencent à tousser. Puis toi-même, en fait, tu vois fuck all là, présentement, là, t'es vraiment comme dans l'obscurité la plus totale, là, t'as tes yeux qui te piquent, ça te fait vraiment mal. Parce que tu as eu 9, ça fait en sorte que ça fonctionne, sauf que t'as pas, tu le sais que ça va pas durer éternellement. Ça okay. va comme ça, c'est vraiment pour un court moment. Petite, de ton côté, tu vois que tu montes en haut. Tu montes au l'espèce de. En fait, tu vas jusqu'à la tête qui est comme vraiment située derrière vous parce que tu es arrivé comme au niveau du cou en quelque sorte. Et tu tournes, puis tu vois qu'à la tête, c'est l'autre chat qui semblait, on va dire, diriger les chats bien en noir. Oh non! Et tu bondis dessus avec ton épée. Puis tu vois que lui, il fait quand même un visage un peu surpris, comme s'il ne s'attendait pas vraiment à se faire attaquer à ce moment-là. Et tu y plantes dans le fond ton épée vraiment comme au niveau ici, dans l'épaule. Puis il commence à tanguer un peu sur le côté parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à se faire attaquer. Tu vas pouvoir choisir en fait tes choix. Je pense que je vais essayer de lui infliger beaucoup, beaucoup de dommages. Mon plan, ça, c'est de réussir à lui coincer les mains dans le volant pour qu'il fasse tourner le serpent, puis pour qu'il soit pas capable de se déprendre, puis que le serpent se bouffe la queue. OK, parfait. Mais t'en choisis deux autres. Oh mon Dieu, parce que j'ai été trop forte! Oui, exactement. Oh mon Dieu, mais j'y fais peur. Je dis okay. Tiens! Oh mon Dieu, c'est pas ça ma voix, pardon. Tiens! Tu tiens le volant, OK, puis si tu le lâches, tes enfants, puis tes petits-enfants, vont mettre pas de poils, puis allergiques au soleil. Okay, parfait. Et mon autre, OK, attends, c'est un autre, faut que je choisisse aussi. Ça veut dire quoi, ça? Je shift mon range pour intimider. Ça veut dire que c'est soit que tu te ramasses vraiment intimidé, ça veut dire que tu te colles vraiment à lui, ou soit que tu décides de t'éloigner pour pas qu'il puisse te réattaquer. Ah ouais, OK, ben je vais comme me propulser comme vers où est-ce qu'il se passe du stock en arrière puis que les chats tous. Parfait, oui. Fait que ce qui se passe, c'est que tu pognes comme un peu, tu y plantes vraiment dans l'épaule, il commence à tanguer, tu y pognes comme les mains, puis tu fais un peu comme dans un genre de cartoon, là, tu y mets les mains comme sur le volant, puis il est vraiment comme genre un peu coincé, puis il saigne d'épaule, puis il te regarde vraiment avec un air vraiment confus en même temps. Et au moment où tu le fais, tout mon Christ, tes enfants vont mourir comme toi, tu bondis vers l'arrière pour comme retourner vers l'obscurité, puis tu vois qu'il te regarde vraiment avec un air confus, comme s'il comprenait pas trop ce qui se passait présentement, et tu disparais en fait dans la boucane. Vous voyez que le serpent, il commence à en fait, plus de l'extérieur, du point de vue extérieur, on va dire, Raven, de ton côté, alors que tu sacs, tu renverses des objets à travers le combat, t'aperçois le serpent au loin qui, alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans la ville, fait une espèce de 180 degrés, puis il retourne comme en direction, si on veut, de la rivière, comme s'il comprenait pas, puis il va un peu comme en zigzag, tout croche, je sais pas trop où est-ce que ça s'enligne. Qu'est-ce que tu fais, Raven? Je pense que voyant ça, là, tu sais, puis il réalise que la situation est peut-être en train de tourner. Le paysage tactique au milieu de la ville, ça a l'air de quoi là, dans la zone de combat où je suis? Tu vois que les gens, les lapins recommencent, on veut à reprendre du poil de la bête. parce que au final, le serpent commence à s'éloigner. Fait que tu vois que les gens commencent à comme reprendre confiance en eux autres, puis le combat reprend rage, alors que les lapins avaient comme un petit avantage présentement. Et du fait qu'il n'y avait plus d'archers non plus, ça semble renverser aussi le combat. Il y a Orti sur le dessus de ce qui reste de la mairie qui balance dans le fond des espèces de grosses flèches sur des gens. Et tu vois dans le fond au loin, il y a Gilles, la mairesse, qui se bat avec une espèce de grosse rame, là, on va dire, un genre de grosse rame de bateau. Là. Puis elle donne des coups comme ça sur des gens, sur des chats.
Puis, tu sais, elle te regarde avec une face de genre, Chris, c'est pas le temps d'arrêter. Là. On commence à avoir le dessus, faut pousser. Là. Je pense que je charge mon arbalète, puis je fais juste avancer dans les rues en gagnant tous les chats que je vois. Parce qu'il continue à avancer, puis je pense qu'il fait juste faire « C'est fini! Bam! Rentrez chez vous! Bam! » OK. Parfait. Tu vas faire un jeu, ça va être du quick shot. OK. Parce que je considère que c'est pas... t'es pas à une bonne distance, là. T'es vraiment proche des chats, puis tu fais juste des chutes dans la face. Fait que c'est du quick shot, ça veut dire avec du luck. Wish you luck, man. Ouf. On parle de... 6. 6, OK. OK. Tu vois que tu t'as ton truc, puis tu fais genre... Rentre chez vous, puis tu commences à gonner, puis tu veux pas, tu pognes des chats, là, tu mets une flèche, un carreau, tu tires, tu vois qu'il y a un chat qui en mange une dans une jambe, puis il est juste comme genre... Ah! Puis il essaie de comme s'éloigner de la zone de combat. Tu recharges... Tu retires, tu vois qu'il y a un autre chat qui en mange un dans le bras, puis t'es juste comme genre, hey, là, get here, tu c'était le temps, là. Tu commences à lever ton arme, puis tu tires. Et soudainement, il y a virement dans ton combat-là, ça va être comme plus, là. Soudainement, tu sens comme un contact très froid dans ton dos, et par après, un espèce de coulis chaud qui te coule dans le dos, alors que tu sens, en fond, ton sang qui se met à couler entre tes plumes. Il te regarde comme si t'avais comme vraiment mangé comme un coup entre les deux omoplates, là. Puis tu te vires de bord. Et tu vois le fils de la mairesse, Richard Sandré. Qui est là, puis il a l'air comme un peu désolé. Puis il fait genre... c'était tout prévu d'avance, OK? C'était tout prévu d'avance avec les chats. Il dit s'il arrivait, il réglait la situation. Nous autres, on rentrait dans la marquisa, puis c'était fini. Puis il s'attendait à ce que tu sois mort présentement. Mais puisque t'es encore debout avec sa dague plantée dans le dos, il fait vraiment plus en position de pitié, là, comme si t'allais le prendre en pitié. Puis il est juste comme genre, écoute, là, man. Il dit, pour vrai, là, c'était fini, là. C'était fini, là. Il n'y avait pas besoin d'avoir plein de monde qui meurt. Les chats, là, ils tuaient un faux monstre, puis c'était terminé. Richard, tellement d'affaires, il faut qu'on s'explique, toi pis moi. Puis je pense que en me retournant, genre, je fais juste le puncher le plus fort que je peux dans la face. Quoi pas? Tu vois qu'en fait, il bouge quasiment pas, il se laisse vraiment faire. Là. Lui, s'attendait vraiment à. Tu sais, lui, s'attendait à poignarder pis s'en allant en courant. Puis tu lui fracasses le nez, il tombe sur le sol, ses grosses oreilles de lapin flip-flop sur le sol. Tu vas pouvoir te marquer 3 blessures. Seigneur. Richard Rogne! Je suis barely up, là. J'ai 3 exhaustions, 3 injuries. Ouais, tu vois que tu saignes du dos, là, tu sens l'espèce de gros coulis rouge dans ton dos qui tombe. Puis, tu sais, à mesure que tu avances, il y a comme une espèce de. Sang qui tombe sur le sol. Si je tombe à côté de Richard, là, probablement, j'ai le punch, puis je tombe à côté de lui, là, je suis juste comme. Dang! Richard! Est! Puis je vais essayer de l'attacher. Je pense que c'est ça que je fais, là, genre, j'essaie de trouver quelque chose pour l'attacher au. Oh, tu trouves une corde, là, tu trouves facilement, puis tu commences à l'attacher. Parfait. On revient avec ça à l'intérieur du serpent. Vous êtes dans la fumée, dans la boucane, ça vous pique les yeux, ça vous racle à la gorge. Vous entendez des chats qui hurlent, vous entendez des ivrognes crier. Vous entendez une petite voix qui fait genre « C'est par ici, les cons! » Il y a comme genre une espèce de son de massue qui se fracasse sur des gens parce que Méridion est avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, là... Parce que là, il n'y a personne qui voit presque, là. Non. Arc, j'ai une grosse bébite à côté de moi. Ben, enlève-la, vite. Montre-nous-la. Oui, je veux la voir. Oui, c'est quoi? C'est un scutigène? Scutigère? C'est un logicorne. Non, ça avait l'air d'être... Ça avait l'air d'être genre... tu sais, ceux qui font du bruit, là. Un barbeau? Un grillon? Ouais, un genre de cigale, là. Mais t'es grosse de même. Ah ouais? Ben, c'est gros des cigares. Et elle se promenait à côté de moi, la chiennasse. Je l'ai brassée avec un dé. ben, écoute, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde en dedans de ça. Puis s'ils reprennent le contrôle, ça va faire fucking chier. Fac, j'essayerais. Puis l'autre aussi, là, tu dis, Kyrion qui est avec moi. Qui? Méridion. Méridion, oui. Méridion est avec toi. Kyrion. J'aimerais ça, si on est capable, tous les deux, de disappear into the dark. Et
de faire Storm a Group in Melee. Qu'est-ce que c'est ce move-là? When you storm a group of foe in Melee, mark Exhaustion and roll with Might. On a hit, trade arm. C'est le deuxième c'est à le deuxième, droite. En bas de okay. Improvise Weapon. C'est que j'aimerais ça qu'ils s'attaquent entre eux autres. Vu qu'il fait sombre et qu'il voit rien, j'aimerais ça que lui puis moi, Méridion puis moi, on puisse se promener. Puis qu'on fasse juste comme « Hey, coucou! » Puis là, ils se mettent à attaquer les autres, mais nous, on est dans le dark. Ok, ouais, je comprends. Je comprends. C'est quel move, ça? C'est quoi ton jeu que tu dois faire? C'est Might. Might? Ok, oui, vas-y. Absolument. Parce que Méridion, en plus, tu l'entends, il gueule. Fait que tu sais, il est vraiment comme t'es capable de le spotter dans le... Alright, puis ce que je ferais, c'est que je prendrais mon plus 3 de Disappear into the Dark. Tu m'autorises à faire ça? Oui, je te laisse. Alright, ce sera ça l'affaire que je peux faire, parce qu'après ça, Replay Just. 10. 9. Fuck, 9. Parce que j'ai moins 1 de Might, puis j'ai plus. 1, ben ce que je vais faire, c'est Use them against each other. Ah, c'est bon ça. L'affaire, c'est que là, je suis à mon max d'exhaustion, fait que l'action était Mark Exhaustion again and then inflict their quelque chose, mais là, je vais juste faire en sorte qu'ils s'attaquent entre eux autres. Parfait. Fait que t'es à ton max d'exhaustion? Ouais, je suis épuisé à ce fuck. Parfait. Oui, pour moi, ce qui se passe, c'est que tu pognes Méridion par le collet parce que t'as réussi à spotter, puis tu fais juste comme vous balancer les deux en dessous, si on veut, de l'espèce de passerelle qui leur permet de marcher dans le serpent. Puis tu commences à gueuler comme des trucs comme quoi, genre, sont là, non, sont là, puis tu gueules les affaires, fait qu'ils commencent à s'attaquer entre eux autres, puis t'entends comme des coups de poignard qui se donnent à gauche et à droite. Mais au même moment, tu te sens vraiment comme étouffé par l'espèce de boucan. Puis t'es genre comme, ah, sont là, ça, je pense qu'ils sont deux. Et tu passes tout. Par connaissance, yo. Par connaissance. Je vais le chercher. Ou Méridion va le traîner. Ouais, c'est ça. Laissez-le derrière, il est trop tard pour lui. J'ai volé la lance de Gargamel. Sauvez Méridion. Qu'est-ce que tu fais, toi, petite? T'es dans la boucane aussi, puis t'entends en fait des coups, des gens qui s'attaquent. Tu reconnais la voix de Jean Bonneau qui imite des voix. Mm-hmm. Et qui dit aux gens de s'attaquer entre eux, en quelque sorte. Puis tu comprends un peu sa manœuvre. Ben, moi, mon plan, ce serait de... est-ce que j'ai entendu qu'on avait des amis sous avec nous autres? Oui. Oui, hein, je les ai vus quand vous êtes arrivés avant que le feu pogne. OK. Mon plan, ce serait de trouver les deux amis sous puis de réussir à sortir du serpent avant que tout burn puis que ça aille pas puis que... que les chats se tuent entre eux sans endommager les amis sous. Parfait. Je vais te demander... ça va être un jet de... Ça va être un jet de lock, ça. Oh. Ah non, pour vrai, ça va bien aller, Anne 4. Là. 6. Un Trust Fate. 6. Ok. Parfait. Tu vois que tu prends les deux gars sous, qui sont comme. Et tu veux courir vers ce que tu penses être la sortie, alors que tu vois la boucane semble se diriger vers quelque chose, c'est-à-dire tu penses être une sortie pour qu'elle puisse s'envoler vers le ciel. Tu cours, et tu sais, dans la fumée, t'as les combats, t'entends les gens qui se donnent des coups de poignard, t'as comme une espèce de splash dans ta face, comme si quelqu'un avait comme reçu comme un coup d'en face, puis t'as vraiment comme le visage avec comme une liquide chaud qui te coule dessus, et tu te rends compte qu'à un certain moment donné, tu réussis à sortir, mais t'es seul. Toi que t'as pas réussi à sortir les deux gars avec toi. Oh non. Et au moment où tu sors, tu tournes la tête et tu aperçois en fait l'espèce de grand serpent qui fait comme des mouvements un peu chaotiques et il y a de la fumée qui sort de lui. Il est comme un peu en feu. Et tu sens, mais tu aperçois une forme, une toute petite forme, et tu vois une petite souris habillée en espèce de gars de bar, un tavernier qui porte sur son épaule un raccoon inconscient. Oh, Méridion! Ouais, il saute dans le fond, du truc en feu, puis il te regarde, puis il fait comme genre, il fait « Ah, c'est trop tard pour les sous, ils sont morts! » je vous jure que j'ai essayé! J'ai vraiment essayé! et en fait, vous voyez qu'à ce moment-là, le combat prend une toute autre tournure, alors que les chats semblent vraiment comme partir à la retraite. Ils semblent courir vers les bois. Il y a des lapins qui les poursuivent encore. Vous voyez que les lapins ont vraiment l'avantage présentement. Il y a des chats qui se font comme
poignardés. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui essaient de se regrouper dans un coin, puis il y a juste des lapins qui les encerclent, puis qui leur ordonnent en fait de baisser les armes, puis de s'abandonner. T'sais, c'est pas des sauvages, ils vont pas tuer à vue. Et vous voyez que les chats commencent tranquillement à déserter, alors que leurs deux, entre un des chefs est clairement mort, l'autre semble avoir disparu. Et tranquillement, le combat prend vraiment fin alors que vous semblez avoir gagné la guerre de Tranche-Pomme. Et probablement qu'on recommence cette scène-là sur probablement, en fait, on va dire Jean Bonneau qui rouvre les yeux. Jean Bonneau, tu rouvres les yeux. Ouais, t'es vraiment comme... T'es couché sur une espèce de brancard, là. Et tu vois, autour de toi, il y a des gars qui sont en train de comme ramasser leur affaire. Tu vois, il y a à côté de toi, il y a un autre lapin qui manque comme genre ses deux oreilles, puis il est juste comme ça, puis il tient la tête. C'est comme vraiment horrible. Il est juste devenu une marmotte. Il est juste devenu une marmotte. Exactement. J'ai changé d'espèce. Et tu sais, ultimement, tu vois que c'est, le combat semble vraiment avoir terminé. Toi, les derniers souvenirs que tu as, c'est d'avoir été comme en dessous d'une espèce de truc de... dans un gros serpent métal, il y avait de la boucane, t'es pas trop sûr de ce qui se passait, tu sais plus du tout. Et le combat est vraiment fini. Tu te lèves la tête, t'aperçois du coin de l'œil, tu vois Raven qui est comme assis en petit bonhomme à terre à côté d'un corps qui est comme avec un espèce de grand drap sur lui. Puis il est juste comme immobile et silencieux. Puis t'as un autre coin, tu vois Petite qui est avec des soldats en train de jaser. Puis ils sont comme en train de se donner de la bouffe, puis comme commencer à discuter entre eux autres. Puis vous voyez la mairesse qui est comme penchée par-dessus son fils qui est attaché sur le sol. Puis qui a l'air d'avoir un air extrêmement désapprobateur. Et le combat de Tranche-Pomme se termine là-dessus. Et probablement qu'il y a une espèce de petit fast-forward dans quelques jours plus tard. Alors que vous avez comme pansé vos blessures, vous avez ramassé vos clics et vos claques, vous avez ramassé votre stock. Puis, je sors un peu, c'est quoi la ligne de pensée de votre personnage à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, de tout ce qui s'est passé à Tranche-Pomme et aux alentours de Tranche-Pomme? Tu sais, les dernières paroles de Richard le hantent encore un peu, Raven. L'histoire du fait que, ben... Peut-être effectivement, tu sais, que si on n'avait pas brassé autant de merde, il y aurait eu beaucoup moins de morts. T'sais. Puis Raven, il voit que c'est aussi une espèce de leitmotiv dans sa vie en général. Là. Quand il pense bien faire, puis quand il pense choisir le bon combat, soudainement, ben, il y a plein de gens qui meurent, tout est détruit autour de lui. Fait que je pense qu'il y a un peu ça. Il a pas beaucoup parlé depuis. Il y a eu un petit moment où est-ce qu'il a voulu enterrer Gargabroche. Il voulait lui faire des obsèques. Si vous voulez, je peux peut-être juste voir ce que vous en avez pensé là, avant de... Parce que j'aimerais essayer de dire un petit dernier truc à Gargabroche, mais c'est pour vous. Je veux voir si vous voulez dire quelque chose avant, collègue Vagabond Cœur. Ben moi, je sais que je veux m'approcher de toi. Puis j'aimerais ça, tu sais, comme te mettre la main sur l'épaule, puis te dire que je suis là, puis te donner un briquet de deux pierres que j'ai pogné sur Marc. Puis je te dis désolé. J'ai pas besoin de briquet, j'en ai déjà un. Non. T'en as pas un. En fait, j'en ai eu besoin dans le combat. Je te pogne le briquet, puis je le mets dans ma poche. Je pense que c'est toi qui étais le plus proche de lui. Tu pourrais... Comme vous avez des plumes, là. si tu veux dire quelque chose. Je m'approche de... Gargavroche et sa tombe. On a probablement planté son arme. Peut-être mis son javelot au-dessus, tu sais. Je suis juste comme... Je sais que les familles des Herriers ont déjà eu des traditions. Ils ont mieux respecté les traditions autrefois. Je suis désolé pour tout ce que vous avez eu à subir pendant la guerre, puis
Vous auriez dû rester en retraite, Gargabroche, je veux dire. Après toute une vie sacrifiée comme ça. J'ai vu que vous aviez combattu auprès de ma famille, puis je suis certain que mon père vous l'a pas dit, mais... Merci. Puis tu vois peut-être qu'il murmure, là, en faisant comme... Au nom de la famille Klaw, je vous nomme Sir Gargabroche. Je sais pas si ça a une valeur... Il va falloir que mon père l'approuve, mais... Sir Gargabroche, posthume. Puis je me relève. Je me dépoussière. On va voir petite, puis je suis comme... Je pense que ça l'a vraiment touché, le message que tu lui as écrit, hein? Ouais, je pense aussi. Puis je me disais que peut-être que ce serait une meilleure idée pour toi que pour moi, puis Horty. Puis je te donne le petit BFF que j'ai sculpté. Puis je l'ai sculpté en forme de deux oiseaux qui se donnent un bec. Puis je t'en donne une moitié, puis j'en mets une autre moitié sur Gargabroche. Puis je te donne ma petite main. Wow. Beaucoup de cadeaux dans une même journée. C'est ça qui se passe quand le monde sont tristes. Parce que je regarde le village de Tranche-Pomme, de quoi ça a de l'air en ce moment, Tranche-Pomme? Les gens sont recommencés déjà à reconstruire rapidement un peu la chose et ils ont remis leur arme dans l'armurerie parce que définitivement c'est un village qui avait laissé en arrière d'eux, ils ne veulent pas le combat malgré le fait qu'ils sont très, très rip. Ils étaient vraiment mis. C'était plus un village qui voulait être guerrier, là. Ils essayaient de laisser ça derrière eux, la guerre. Il semble y avoir réussi, du moins pour l'instant. Ils ne croient plus aux monstres, ce qui fait en sorte que. Leur courage est décuplé à un point où est-ce qu'ils ne pensent pas pouvoir être conquis par personne d'autre. Et il faut qu'il y ait des gens qui ont commencé à reconstruire un bâtiment. Il y en a un qui essaie de comme remettre le mur que Petite a fait tomber en courant dedans. Oui, la mairesse qui a comme un espèce de bureau, on va dire, temporaire à l'extérieur de la mairie qui s'est effondré sous le lancer de la première de la balise de Horty. Et il y a d'autres gens qui sont en train d'enterrer leur frère, leur sœur, leur père, leur mère, même leur enfant. Tu vois qu'il y a un vieux, vieux lapin qui a l'air d'avoir enterré comme son fils devant une tombe, puis il est en train de comme pleurer en silence. Puis c'est une espèce d'étrange mélange de joie, d'amertume, de regret, mais aussi comme de satisfaction de pouvoir enfin tourner la page sur quelque chose. Et tu sais, la mairesse, elle n'est pas restée... de glace à ça, là, vous avez vraiment comme fait un espèce de remerciement sincère devant les habitants de Tranche-Pomme. Vous avez comme trois rangées de vergers qui portent vos noms. Fait, oh, Petite, wow! Raven et Jean Bonneau, avec les espèces de pommiers qui poussent. Et vous a donné, bien sûr, tout ce que vous vouliez en tant que récompense. Le problème, vous avez une espèce de gros chariot que vous tirez qui est rempli de bouffe, de pommes et d'autres biens matériels selon vos bons désirs. Et probablement que vous pouvez jeter un coup d'œil au coin de la ville où il y a une espèce de cage en bois qui a été installée, puis vous voyez à l'intérieur Richard qui est assis comme un petit bonhomme de dos au village, puis qu'il semble être... Il n'a pas dit un mot depuis comme la fin des combats. Là. Ça ressemble un peu à ça, on va dire, la vue d'ensemble de la ville présentement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font quelque chose de spécial avant de prendre la route? Ben, en fait, comme on doit s'éloigner un peu de, oui, de l'enterrement, puis tout, on va reprendre nos trucs. Je vais juste comme cacher le bout de la lance dans mon dos. Quel sale plouc! Quand même, hein? Ok, parfait. Fait que, ouais, que vous... Oui, oui, quelqu'un a dit... J'aurais-tu le temps? Richard, es-tu proche de tout le monde ou il est tout seul? Il est tout seul dans sa cage. Ok, j'ai-tu le temps juste comme d'aller essayer de faire pipi sur lui? Oui, bien sûr. En disant à quel point il est un humain horrible. Richard, il y a tout le monde dans le village qui est mort ou qui est vivant. T'es le seul que j'haïs. Puis j'haïs personne. Même pas Samuel. Samuel, je le trouvais beau. J'essaie comme... Parce que là, c'est sûr, c'est pas facile parce que j'ai pas de caquette, mais tu sais, oui, je fais comme une coupe avec mes mains puis je lance. Oui, oui, mon... oui. Ok, parfait. Puis tu vois que tu commences à pisser dessus. C'est fou, là. C'est
c'est, j'étais sûr que ça allait bien finir, c'est une bonne note, ça finit sur un jet de piste, là. Tu fais pipi dessus, puis au même moment, tu te rends compte qu'il y a comme un autre jet de pipi dessus, puis là, tu lèves la tête, puis il y a Horty avec toi, qui hoche la tête parce que vous avez bandé pendant ce combat-là. Puis les deux, vous pissez sur Richard. On se donne la main en finissant notre pipi. Ouais. OK. Puis vraiment, vous partez. Tabarnak. Vous partez les trois. Vous partez les trois en direction, dans le fond, on va dire peut-être l'horizon. Il y a comme le petit sentier qui tourne à la sortie du village. Vous vous éloignez tranquillement, puis vous recommencez à reprendre vos discussions que vous aviez avant d'arriver au village. Comme si c'était juste une ellipse qui s'était passée, mais vous savez clairement que ça a eu plus d'impact sur vous quand même, plus que qu'est-ce que vous vous laissez croire. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est vraiment vous trois de dos qui s'éloignent, et votre image devient une espèce de dessin. Oh. Et vous voyez, dans le fond, la vieille souris qui est comme son livre dans ses mains, puis affirme le livre en faisant « C'était les aventures des vagues en mon cœur et de la bête de tranche-pomme. » Puis vous voyez la petite souris qui fait genre comme « Grand-père, est-ce que tu m'en racontes une autre? » Il fait « Ah, et pourquoi pas? Alors, laquelle cette fois-ci? La tour maudite, le château au coin des loups, qu'est-ce que tu veux? » Puis là, il tourne les pages, et là, la caméra s'éloigne, sort dans le fond de la petite maisonnée, et on perçoit la petite maison qui est comme, dans le fond, construite déjà aux abords d'un grand arbre, avec la petite boucane qui s'élève, qui sort de la cheminée, les petits flocons de neige qui tombent. Et probablement que la dernière chose qu'on voit, c'est genre des espèces de bonhommes de neige qui ont comme la forme de vagabond cœur qui ont été construits. Puis la version est marquée The End. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! On parle de jeu, like nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, oh ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!